Seigneur, mon fils, tu veux que je fasse comment? Hein? Et puis toi, Jacques Soba, depuis là, tu n'as rien fait. Tu vois mon enfant en train de souffrir et tu fais rien. Je ne fais rien comment? Toi-même, tu as vu comment j'ai dépensé tout mon argent à l'hôpital. C'est après que mon argent est fini que on est revenu. Tu veux que je fasse comment? Hey, même si l'argent est fini, là, tu dois aller chercher encore. Après tout, c'est notre enfant là, où vient? Oh, tu as intérêt à envoyer l'argent pour pouvoir s'occuper de mon enfant. Jean, ça va aller. Mais ne t'en fais pas. Je suis parti voir les marabouts. Quoi? Oui. Et c'est une affaire de sorcellerie. C'est pas possible. C'est les sorcellers qui ont fait ça. Hey, mais ça va aller. Il m'a dit qu'il va faire des sacrifices. Mais toi, Jacques-Saba, tu n'as rien compris. Hein? Ton affaire de marabouts, moi, je n'ai rien compris dans tout ça. Là. C'est combien de marabouts tu veux voir à faire? Hein? Tu habites un pokote, un roi, au gomkoudou. Je ne sais quoi même, tu dis. Hein? Et dans tout ça, l'enfant est toujours là souffrant. Et tu m'envoies vite dire que tu vas chercher notre marabout ajouté. Regarde, tu as intérêt à bien s'occuper de mon enfant. Si mon enfant ne guérit pas, tu vas me sentir. Ok, c'est ton bébé. Et c'est pas notre enfant. Je m'en fous. De toute façon, c'est mon bébé après tout. C'est notre enfant. Je m'en fous, je te dis. Ça va aller. Mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Mais bien sûr que je sais que ça ne va pas. Regarde l'état de ton fils. Malgré les dépenses que tu as faites à l'hôpital, regarde son état. Tu t'es débrouillé comment? Mon ami, j'ai tout fait. Là où moi je suis là, je n'ai même plus un rond dans ma poche. Je ne sais même pas quoi faire. Qui te parle d'argent? Hein? C'est le sorcier là. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on soigne et puis ça ne guérit pas. Je suis parti voir le marabout. Et le marabout m'a dit que moi j'ai eu la chance. Que sinon, mon enfant allait mourir cadeau. Que c'est les sorciers là? Les sorciers? Oui. Est-ce que tu comprends? Hein? Qui t'a dit que ce sont des sorciers? Le marabout. Le seul sorcier ici qui est à la cause de la maladie de ton fils, ce n'est personne d'autre que toi et ta femme. Comment ça? Oui. C'est toi et ta femme. Maman. Oui. Même toi. Parents. Oui. C'est vous les sorciers. Qu'est-ce qu'on te dit à l'hôpital? Quand je suis arrivé chez toi, quand ta femme m'a donné de l'eau, est-ce que j'ai bu? Tu as remarqué? Tu n'as pas bu? Si je n'ai pas bu cette eau, c'est parce que tout simplement, ce n'est pas une eau potable. Cette eau est sale. À chaque fois si j'arrive chez toi, il va falloir que je trouve de ces indices pour pouvoir te parler. D'ailleurs même, c'est où vous enlevez votre eau. Mon frère, tu sais, c'est pas de notre faute. Depuis que notre fontaine est gâtée là, tu veux que nous on trouve l'eau? Tu sais pas aller au marigot. C'est au marigot que nous on part, la femme part et puis il enlève l'eau là-bas. On va faire comment? Au marigot. Oui. Tu vois ça. Raison pour laquelle je t'ai dit d'oublier le sorcier. Eh bien, tous ces problèmes même viennent du marigot. Qui va oser boire l'eau du marigot? Cette eau sale là. Hein? Cette même eau que les gens partent pisser. Et c'est dans cette même eau. Les enfants partent se laver. Mm-mm, mais bien sûr. Les enfants, là, quand ils veulent se laver,
Nous, on les chasse. C'est l'autre côté. Mmh. Vers le bord là. Est-ce que l'eau est arrangée? Est-ce que l'eau est traitée même d'ailleurs? Depuis quand les femmes parlent pour puiser l'eau là? Ils parlent au milieu. Là-bas, c'est propre. C'est là-bas qu'elles vont aller puiser l'eau là. Tu sais pourquoi j'aime te parler, non? Parce que tu es têtu. Tu es bête. Ah, oui, tu as tout à voir là. Non, je ne t'insulte pas. Hein. Mais si pour te faire changer, je dois t'insulter, c'est que je vais t'insulter tous les jours pour que tu puisses changer. Le problème t'a arrivé. Je t'ai parlé fatigué. Et maintenant, voilà, c'est ton fils. Combien tu as dépensé à l'hôpital? Et à l'hôpital, on t'a dit quoi? La saleté. Regarde en rentrant même, regarde la devanture de ta porte. Hein? Regarde même dans ta cour. Il n'y a même pas de poubelle. Tu es de la même promotion que moi. Tu n'es pas un illettré. Tu as fréquenté comme moi. Bien vrai que je suis devenu docteur. Mais cela n'empêche pas que tu changes aussi. Tu es un intellectuel qui laisse sa maison comme une porcherie. Mon ami, c'est la pauvreté qui envoie tout ça. Si moi j'étais riche là, tu crois que moi j'allais laisser ma cour comme ça? Hein? Là où on est son là. Hein? Tu parles de richesse. Oui. Je vais te dire quelque chose. La seule personne qui peut dire qu'il est riche, c'est celui-là même qui peut entretenir sa santé. Et toi, tu es doublement pauvre. Hein? La richesse, tu te parles de richesse en bien matériel. Ne me viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Donc, il faut m'aider. Aide-moi. Ce qu'il y a, ce que je peux faire pour t'aider. Ton enfant là, il faut griller demain. Tu vas l'amener à l'hôpital. Tu vas l'amener dans mon cabinet là. Encore. Tu veux que je t'aide? Ah, oui. Le voir souffrir comme ça, ça te plaît? Voilà, ça fait combien de temps qu'il n'a pas été à l'école? Ah! Ça fait. Ça fait 3 ans. L'enfant là, il ne parle plus à l'école. 3 ans? Oui. Parce que quand il parle à l'école, quand il est malade, il revient. Anissa là, gâté. Quand l'année prochaine, il commence 2 mois, 3 mois, les maladies là, c'est gâté. Donc, on met à manger. Hein? Demain, il faut l'amener dans mon cabinet. On va trouver une solution pour ça.